Thérèse Dion, la mère de Céline Dion, est décédée le 17 janvier 2020. La famille de la regrettée vient de publier un communiqué sur le lieu et la date des funérailles. En début d'année 2020, le monde a été mis au courant de la énième tragédie qu'a vécue Céline Dion. Après avoir déjà perdu beaucoup d'êtres chers, voilà maintenant qu'elle perd sa mère. Quoi qu'il en soit, les détails de ses funérailles ont enfin été communiqués au grand public. Depuis des années, la santé de Thérèse Tanguay-Dion a eu des hauts et des bas. Il y a quelque temps, elle s'est fait opérer du cœur, mais elle a tout de même pu s'en sortir. Au terme des dernières années de sa vie, la mère de Céline Dion n'était plus tellement au mieux de sa forme, mais ce n'est qu'à 92 ans qu'elle a succombé. Surnommée la maman la plus célèbre du Québec, la défunte était très aimée aussi bien par sa famille que par le public. Ainsi, dans un communiqué publié dans le journal québécois La Presse, sa famille informe le grand public d'une cérémonie ouverte à tous qui aura lieu au funérarium Alfred Dallaire de Laval de 8h30 à 12h le jeudi 20 février 2020 afin de rendre hommage à cette grande dame. Dans la matinée, amis, proches, anonymes et même les médias pourront faire un dernier adieu à la défunte. En deuxième partie de soirée, la cérémonie se fera de manière plus intime entre les membres de sa famille. Pour rappel, Thérèse Dion a laissé derrière elle 14 enfants ainsi que 32 petits-enfants. Ainsi, cette grande famille pourra se consoler les uns les autres. D'autant plus que ces dernières années, la chanteuse n'a cessé de porter le deuil, déjà avec son père en 2003 et aussi avec le décès de son époux, René Angelil, en 2016, et dorénavant elle n'a même plus sa mère à ses côtés. La mort de Thérèse Tanguay-Dion a fait couler beaucoup d'encre. Il fallait s'en douter étant donné la grande renommée de sa fille Céline Dion. Au cours d'un numéro de TPMP, Jean-Michel Maire s'est mis à critiquer la chanteuse, ce qui a fortement déconcerté les fans de l'émission.